Rebonjour YouTube, dernière partie je pense sur cette découverte de Resident Evil 7 sur ma première session de jeu. Ça fait à peu près 1 h 30 que je joue. On va tâcher de jouer encore 20 minutes, une demi-heure. Ah, mon téléphone. Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Tais-toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Par contre, j'aimerais bien récupérer une arme. Là, le tournevis. Par contre, il est parti. C'est où, Papy Moujo, avec sa pelle là? La vieille est partie aussi. Ils sont pas laissés des armes. Donc ce Resident Evil a apparemment des phases grossièrement d'infiltration. Hein. Pourquoi pas? Ça fonctionne plutôt bien. Par ici! Et vous devez m'aider! Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est notre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas! Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer! D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez. Monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Un simple couteau de poche? Allez. Prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Oui, voilà. Je vais pouvoir ouvrir ça dans le garage. C'est lui là? Eh, hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Eh, hey, remontez cette porte. Remontez attendez. Cette porte. Attendez! Que... Sympa. Saloperie!
Je vais tous vous tuer un par un. Non. Fous-moi la paix, fous-moi la paix, laisse-moi passer. Tiens. Oh, le grand garçon s'est trouvé un flingue. Tu sais t'en servir. Tiens. Non. Moi, je suis à l'abri, de l'autre côté de la voie. Wow. Moi, 6 balles. Il va falloir faire mieux que ça, gamin. Tiens, ça, ça te va? Petite balle dans la tête? C'est entre toi et moi maintenant, Ethan. Coucou, viens. Tiens. Wow. Je t'ai prévenu, joue pas au con avec moi. Belle bagnole. Mais ça te dérange si je fais un tour avec? Hop. Voilà. Tu ferais mieux de commencer à courir. J'ai plus de balles. Ne bouge plus. D'accord. Alors j'avais des clés là sur un établi, mais je sais pas trop ce que. Quand la pièce est un jeu de menu, il pourrait vous aider à combattre Jack. Appuyez sur L1 pour vous mettre en garde et réduire les dommages que vous subissez. Si vous le visez, équipez seulement des armes combinées, des objets, les herbes, les coffres. Voilà. Ok. On doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Attendez. Remontez cette porte. Qu'est-ce que vous... Saloperie. Je vais tous vous tuer un par un. Tu fais partie de la famille maintenant. Parfait.
Bon, je crois que j'ai les clés de la voiture. Oh que non, c'est moi. Tu ferais mieux de commencer à courir. Ne bouge plus. Ah, il tamponne le mec. Tamponne un bloc, hein. C'est fou parce que j'avais réussi à monter dans la voiture la première fois, mais j'avais pas les clés. Et puis bah la deuxième fois, forcément, quand on a les clés, bah, c'est excite plus, j'ai l'impression. On doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi ? Et vous alors ? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé ! Remontez cette porte ! Attendez. Remontez cette porte ! Qu'est-ce que vous faites ? Tous vous tuer un pas. Bon, je vais pas récupérer le flingue, mais c'est pas grave. Amène-toi! Oh merde! Sacré bagnole, Tan! Oui, Tan, à conduire. Non. Finissons-en, toi et moi. Allez, je vais t'emmener faire un petit tour. Non! Game over? Non, pas game over. Ah, ça prend. Ah ben voilà, je me suis débarrassé de toi. Salaud. Regarde-moi le bordel que t'as foutu. C'est pas fini, tu sais. Lâche-moi, lâche-moi.
Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain! Il est incroyable. Vite. À l'étage. Ah, des cartouches de fusil. On va faire ça. Très bien. Vite, cassons-nous. Tire-moi dessus, tire-moi dessus. C'est ton père ? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi ? Arriver à quoi ? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Donc Zoé fait partie de la famille. Et donc il faut les têtes des chiens. Non, ça va pas être ça. Trophée bien essayé, très bien. Je vais aller sauvegarder. Parfait, bon, on va continuer.
Encore quelques secondes, quelques minutes. Notamment en tentant de récupérer le fusil. Ok, donc faut trouver un truc pour faire contre toi. Voilà. Très bien. Petite référence à Resident 1, hein, bien sûr. Le contrepoids du fusil. Et la poudre, très bien. Pourquoi pas. Des pièces. Bon, on va tenter de monter. Oh. Bon, et bien sûr, elle me sautera dessus un moment ou un autre. Hein. Evelyne, 2 mai 2014. Très bien. Je la sens pas, la vieille. Hein, là-bas. Bon, on va tenter d'ouvrir cette porte-là. On peut descendre par là. Petite baignoire dégueulasse. Bon, il y a un fusil de l'autre côté pour faire contrepoids, visiblement. Ça, les pièces, je sais pas quoi elles sont.
Marguerite. Virduo, ce connard d'hippie qu'on a attrapé et foulé dans la zone de traitement. De la poudre. Ah, une tête de chien. Ah, il va falloir que je jette des trucs. Faites de la place dans votre inventaire. Mais oui, mais 2 octobre, on dit qu'une tempête approche. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. L'eau s'est enfin retirée, la maison n'a rien, mais la vieille maison est secrètement sévèrement endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui se serait échoué dans le bayou. Si c'est vrai, je ferais mieux d'en avoir d'avertir la part au fond. J'ai à voir ça demain. Oula, bah, la lecture c'est compliqué. Ah, une VHS. Par contre, oui, je manque de place dans mon inventaire. Donc il va falloir que je descendre, hop, bah faire du vide. Tout simplement. C'est peut-être le hobby favori du père. Ouais. Bon, elle est toujours là, handicapée là. On va aller faire du vide dans l'inventaire. Alors, la poudre à canon, de l'herbe, des munitions pistolets. Alors les pièces, on va les poser. L'email, on va le poser. Le passeport, on va le poser. Ça, on va le poser. Les gros objets, on va garder. Voilà, un petit peu de vide. J'ai récupéré 4 places dans l'inventaire, ça devrait être suffisant. Voilà, je vais récupérer une des 3 têtes de chien nécessaires. Mia. Il n'y avait pas autre chose que je devais récupérer et que j'ai pas pu prendre. Voilà. Le 19 juillet 2017, s'il te plaît, Ethan, regarde ça. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il
y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Ah, je la dirige. Je ne peux pas la laisser m'attraper à nouveau. De ton petit manège, jeune fille. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu fais subir tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Cette maison a vu plus que tu ne peux imaginer. Et elle sait. Tu ne comprends pas ou... C'est simplement que tu t'en fiches. Avec Zoé. Je sais que vous mijotez quelque chose. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan? Non, ne viens pas par ici. Hein? J'aurais peut-être dû rentrer tant que je le pouvais. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Oh là. Nous t'ouvrons notre maison. Nous t'ouvrons nos cœurs. Et toi, que fais-tu?
Donc. Pas doué pour ce genre d'énigme. Voilà. Je serais incapable de la refaire, hein. Je suis pas doué pour ça. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Tu as été vilaine. Ah, parce qu'il faut que je réussisse ça. Ouh, mais il est cher le jeu. Ah, le jeu est chiant par contre, il nous force à recommencer les phases de flashback comme ça, c'est chiant. Échappez à Marguerite, cachez-vous derrière les éléments du décor pour éviter Marguerite. Ouais, là j'étais peut-être un peu trop proche d'elle quand même. Elle t'aime, elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi! Je vais me mettre là. Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Nous t'aimons. Ouvre les yeux. Accepte-nous. C'est pas possible! Tu ne comprends rien! Et tu ne te rends même pas compte! Non, 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 non! N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité! C'est sans issue, jeune fille! Crois-tu aller comme ça? Ethan! Ethan, je t'en prie, aide-moi! Ethan, Alex! Non! Non! Sympa. Sympa. Grosse vidéo. Ah, bien sûr, pour vous. Reine de l'infiltration. Oui, c'est moi la reine de l'infiltration. Par contre, tu peux couper, hein, si tu veux. Allô? Qu'est-ce qu'il fait le jeu là? Eh oh, le game. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une barre de chargement ça qu'on prend en bas?
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? Bon, alors on va éviter de la re-regarder. Est-ce que c'était long? Ouais, la tête de chien que j'ai récupéré. Mais elle est où? Parfait. Qu'est-ce que c'est? Très bien. D'accord, ils vont par 3. Salle à manger. C'est pas une salle à manger, ça. C'est un hall. Il y a une horloge dont je pourrais remplacer la pendule. Oui. Quel talent. Je n'ai même pas fait exprès. On va arrêter de sonner maintenant. Voilà, merci madame. Qu'il y a quelqu'un qui chante. Et bon, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé ce live pour ceux qui ont vu le live. Merci d'avoir regardé ces vidéos pour ceux qui regardent les vidéos. Et à très